qu'il y a des barbelés. Donne-moi ça. Va chier. Inspecteur Videnski, j'écoute. Bibi, quelqu'un a forcé la porte de l'appartement. Surtout d'entre pas. C'est trop tard. Mais t'inquiète pas, il y a personne. C'est dangereux, attends. On dirait qu'ils ont rien pris. Attends. C'est toi qui as laissé un billet sur la porte du frigo? Non. Il y a quelque chose d'écrit dessus. Pour ton petit Noël. Et c'est signé Tony. N'y touche pas. C'est qui, Tony? C'est bon, j'y vais, les gars. Va falloir... Coucher, elle dort. Bon, jusqu'ici, tout va bien. On a fait pratiquement toute la carte. Retrouver tous ces objets. La dernière balle lâchée. Pouf. D'aboyer là. Tu vas appeler du monde. Attends, ça fait des années qu'on se connaît. Si je trouve, c'est pas. Tu sais bien cette classe. Regarde, c'est mon inhalateur. Non, je t'en supplie. Mais y'a quoi à faire là? Y'a un truc à faire ici. Pourquoi ça marche pas?
Bah c'est les couilles, il a bugué. Je reviendrai plus tard pour ces coups. Jusqu'ici, tout va bien. Oui, encore des... Encore du verre. Je ne donne que du verre. Oh, je me suis fait arnaquer. Il fallait monter. Voilà, il y a une porte secrète, je vais venir après. J'ai entendu des sirènes, Anthony. Un monsieur de la télé était à l'hôpital. Et il disait qu'il n'avait plus de place et qu'il soignait les gens dans les couloirs. Même à Saint-Jude. Oui, je sais. Écoute, maman. Il faut que tu prépares un sac, comme quand tu viens chez... Par avec le temps qu'il fait. Maman, écoute.
passe avec les hôpitaux et les pillages, c'est comme à l'époque de l'ouragan Sandy. Alors Sharon et moi, on va venir en voiture et on va passer te prendre. Commence à faire ton sac et Sharon t'aidera à finir quand on arrivera. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime, mon chéri. Lee. Papa ! Clara ? Qu'est-ce qui se passe ? Je viens de tirer sur quelqu'un. Il bouge plus. Je crois qu'il est mort. Où est-ce que tu es ? Ça va ? Non ! T'es blessé ? Il t'a fait quelque chose ? Il était à l'intérieur. J'avais mon pistolet, comme tu m'avais dit. Et il était dans la pharmacie et il a commencé à me crier dessus et il m'a poussé. Tu vas bien ? Quelqu'un t'a vu ? Rentre à la maison. Clara, reviens tout de suite. Oui, ça va. J'ai tout. Les cachets contre la grippe et le spray pour la gorge. J'arrive. C'est un truc de fou, je vais le trouver où ça? Bah, il est où mon truc là que je cherchais? Mais t'arrives pas à rentrer là-dedans. Il y a des barbelés partout là. Ouais, il y a bien un passage, je vais rentrer là-dedans, là, c'est pas possible. Les relevés indiquent la présence d'un écho dans les environs. Voilà, là, mais ça va être un bordel, là. Ben non, je suis trop con. Il faut que j'aille aller là-dedans, là-bas. Alors, attends. Truc. Pour rentrer là-dedans, c'est... Finissez-le !
Ah, là, il y a une corde. Il y en a une autre. Et par où on monte, là? Quelque part. J'ai ici ce cul-de-sac, je sais pas pourquoi il me fait ramener ici les mots. Очередной труп. Mais c'est un truc de fou, ce jeu. Faut que je fasse la mission en fait. Mais je comprends pas. Agent, écoutez, on n'a pas les ressources suffisantes pour éteindre tous les incendies déclenchés par les nettoyeurs. Si on ne trouve pas le moyen de couper leur production de napalm, le quartier tout entier risque de partir en flammes. Le point positif, c'est que leur principal site de production est au beau milieu de leur QG. Vous aviez envie d'y aller, non? Trouvez le site de production, détruisez-le et assurez-vous qu'il ne puisse pas le reconstruire. En clair, vous éliminez le chef, Joe Ferro. Parce que s'il s'enfuit, il recommencera tout ça au départ. L'immeuble doit être rempli de réservoirs d'essence et de napalm. Détruisez tous ceux que vous trouverez. L'objectif, c'est que les nettoyeurs ne puissent pas réutiliser le matériel.
Jusqu'ici, tout va bien. Je le fais en difficile tout seul. Normiche, en promenade. Un petit message. Jusqu'ici, tout va bien. Un agent a rejoint votre équipe. Il a déjà rejoint. Facile. Oh,
sorti d'où, lui? Merci. Mais c'est sérieux, là? Attends, attends. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait en difficile, je suis trop con. Voilà. T'as vu, elle est comment? Il y en a quelque part là. Attendez, faut pas qu'il s'approche du réservoir. Sniper, là haut. Sors ta tête, s'il te plaît. Attention, signature chimique de produit explosif détecté. Source identifiée. Alerte, explosif armé, prêt pour détonation. Vous savez pourquoi on est là et pourquoi c'est important. Vous savez ce qui va arriver si on ne brûle pas cette saloperie. Il y a trop de gens qui comptent sur nous, nos familles, nos amis et la population tout entière. C'est pour ça qu'on doit tenir face à ceux qui nous barrent la route. Ils n'en ont rien à foutre s'ils disent qu'ils sont du gouvernement. Et tout ça, c'est des conneries. Si on les arrête, on peut encore sauver cette ville et le reste du monde. Mais si on les laisse faire, tout ce qu'on aura fait n'aura servi à rien. Et ça, c'est hors de question.
Castle. Il doit y avoir d'autres réservoirs de napalm dans l'immeuble. Trouvez-les, détruisez-les. Vous pourrez aller vous occuper de Ferro. On se replie, vous me retrouvez tous à la tour et on les retient là-bas.
Compris? C'est là-bas qu'on les attend et on va leur faire regretter de nous avoir cherchés! Oh putain, fallait pas que je descende.
tester les sangles du réservoir. Ça devrait être bon, là. Putain, c'est pas trop tôt. Voilà, c'est où, là? Attention, séquence de détonation lancée. Par où ce rôle?
dû dire à Ferro que c'était mauvais pour sa santé, toutes ces flammes. Maintenant qu'il est hors jeu et que la principale source de napalm des nettoyeurs est détruite, ils vont nous poser beaucoup moins de problèmes. Pas mal de gens vous doivent la vie, qu'ils le sachent ou pas. Bon travail. Un agent vient de quitter votre équipe.